Radio Soupente, la station de Rapin, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 25 juin 2024 qui sera consacrée pour sa partie artistique à Jules Adler, le peintre de la Troisième République. Une exposition, on va passer une rediffusion d'une émission, d'une exposition qu'on avait vue à la piscine de Roubaix. Et tout de suite, nous allons tenter de porter notre regard en marge sur l'art, de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en tout. Ouais, bah salut à tous. Vous pouvez toujours nous mettre un petit mail à artracaille@orange.fr. Dans ce monde borné de quel entre-deux-guerres, où ceux qui font les lois les troncent par derrière, nous n'avions que 5 ans du pain sec au dessert, pour 5 lettres de trop ou un P de travers. On nous disait, tu vois, c'est la croix que grand-père a gagné au chemin des dames et nos grands frères, abandonnant le bleu pour un kaki douteux, cocufié Madelon dans les bras de Marlène. Une fois l'an, nous allions voir entre père et mère la victoire en chantant nous ouvrir la barrière. Et nous nous en allions en suçant des bonbons, jouer du revolver à deux sous le bouchon. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens, elle était jolie, on faisait des bêtises où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise et je m'en souviens. Dans ce monde truqué de quel drôle de guerre, où ceux qui font le front le bradaient à l'arrière, nous n'avions que 10 ans et dans nos gibecières une histoire de France qui tombait en poussière. On nous a fait courir, traverser des rivières, sur des ponts d'Avignon qui dansaient à l'envers. Ça tirait par devant, ça poussait par derrière, les plus pressés n'étaient pas les moins militaires. On nous a fait chanter pour un ordre nouveau, d'étranges marseillaises de petite vertu, qui usaient de la France comme d'un rince cul, et s'envoyaient en l'air aux portes des ghettos. Et je me souviens, la petite juive, on lui a dit, viens, elle était jolie, elle a fait sa valise, un baiser de la main, elle s'appelait Lise. Il n'en reste rien. Dans ce monde morné d'avant quelle autre guerre, où le Japon blessait lèche encore son cancer, dans ce monde sceptique où ceux qui ont la foi ne savent plus si Dieu est devant ou derrière, dans ce monde d'argent où la banque surnage comme un poisson ventre qui attend le naufrage, nous n'avons que 30 ans, sainte horreur de la guerre, et pourtant nous n'avons pas cessé de la faire. On nous a fait marner de Djebel en rivière, de Caribe dans Scylla, de cuvette en civière, comme si nous n'avions pas autre chose à faire qu'à montrer nos faisceaux aux quatre coins de la terre. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens, elle était jolie, on faisait des bêtises où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise et je m'en souviens. C'est la petite juive interprétée par Maurice Fanon. Et écrit par Morrison. Il pleut des larmes. Goutte-gouttelette de pluie, j'ai la vue qui se brouille.
goutte gouttelette de pluie, ma mémoire aussi. Qu'on peut se fredonner sans bruit, gaffe aux grandes oreilles qui écoutent la liberté. Des nasillons qui vont prendre les commandes de la périssoire France, dans les jours qui se ramènent leurs petits culs mal lavés. Nous y sommes, les potesses et les potos. Le jour de gloire s'est ramassé la tronche dans le fossé. Un parti issu de la collaboration du régime de Vichy, maréchal Nouvelle, avec l'occupant Fridolin, va se faire une joie non retenue de nous botter le cul, dès son installation à Matignon dans un premier temps, à l'Élysée dans un second temps, si tout se passe bien. Un homme, une femme. Non, pas le film de Lelouch, hélas. Mais d'une liaison dangereuse entre un jeune dépendeur d'andouille et d'une vendeuse à la criée plus très fraîche, poissonnière de son état, qui s'y voit déjà. Elle se prénomme Marine, il se prénomme Jordan. Elle est la fille d'un facho antisémite notoire qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette, Le Pen. Il est le rejeton de parents immigrés italiens, ce qui peut expliquer son amour inavouable pour tous ceux qui tentent l'aventure de croire en l'accueil chaleureux de la France. Et qu'au nom de son parti Ouistiti, il accueillera mieux encore lorsqu'il sera le premier ministre du futur gouvernement de celle-ci. Que voilà les beaux jours qu'ils sont revenus. Que des petits bals popus vont célébrer au coin des rues. Le Front populaire à l'envers, celui de 36, je veux dire en l'écrivant, qui est de retour comme les cigognes en Alsace qui le sont de moins en moins, ainsi que les hirondelles dans le ciel d'Île-de-France. Que j'ai comme une sorte d'espèce d'affection pour les héritiers du père Léon, qui a pas le pantalon décousu, contrairement aux héritiers des fondateurs SS du Rassemblement en Ordre Dispersé des Nuls du FN. Ouais, le FN, Front National du père Le Pen. Ce n'est pas un changement de nom de baptême qui rend la chose plus convenable. La presse s'en prend prioritairement au Front Populaire. Pas là non plus une première, avec des arguments hautement fallacieux et surtout hautement déformés. À l'étalage, à l'extrême droite, de sirupeuses promesses d'un avenir riant, foule à gerbe lorsqu'on a en mémoire le même genre d'acrobatie, auquel se livrait l'Adolphe, grand bouffon du Troisième Reich millénaire, dont l'extrême droite française est un servile copié-collé, qu'un tragique vieux couple de chasseurs de nazis s'en mêle les crayons en se disant confiant dans les bavouillages des héritiers du FN. Qu'on se retrouve gros gens comme devant. De notre admiration pour ces chasseurs de Nasbrock, nous sommes aujourd'hui dans leur détestation. La vieillesse est un naufrage qui se confirme avec ce ralliement grotesque. De digne à indigne, le chemin de la route prend des raccourcis qui font hoqueter. Comment comprendre, comment ignorer, comment pardonner? Les Français de confession juive sont manipulés par le CRIF qui prétend tous les représenter alors qu'ils ne représentent qu'à peine un dixième de leur population qui y adhère par tous les responsables politiques de droite et d'extrême droite et surtout par l'affirmation, les sous-entendus, tous les glissements sémantiques à la rescousse pour qualifier tel ou tel leader de gauche d'antisémite. Terroriste, un terme obligé. Qui ne qualifie pas le Hamas de terroriste fait le lit du terrorisme. Qui dénonce les exactions abominables de Zahal flirte avec le terrorisme. Tout ce qui n'est pas dans la ligue des défenseurs d'Israël, tel l'immense penseur Meir Habib, et la prestigieuse Yael Braun-Pivet a comme un intérêt certain à se planquer dans sa cave ou à l'abri sous roche, selon ses moyens ou sa région. Perso, je privilégie la vie sous roche provençale, la bombe, dont la plupart sont planqués en pleine garrigue à l'écart de tout et assez difficile à situer. J'avoue sans honte aucune que je suis un mauvais esprit ou un mauvais sujet,
cela. En d'autres temps, j'aurais contourné le gibet de Montfaucon avec Villon, prétentieux. Les fossés du Mont Valérien avec les victimes des rafles nazies. Que je me dis en mes intérieurs terroristes, pas mécontent malgré tout de m'en être tiré à bon compte courant. L'avenir semble moins rigolo. Il faudra beaucoup de chance pour en réchapper si on ne sait pas louvoyer. Un métier qui ne s'apprend pas au CP, puis du coup, qui est un peu trop fatigant à se farcir. Que je préfère chanter que dans la vie, il faut pas s'en faire. Et que moi, je m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Peut-être ou peut-être pas. Mais pas de consigne de vote. Tu veux ou tu veux pas, tu peux ou tu peux pas. Si tu veux, tu y vas. Si tu veux pas, tu y vas pas. Si tu peux, tu peux. Si tu peux pas, tu fais un bras. Mais surtout, ne te précipite pas sur les bulletins. Faut faire la queue, comme pendant l'occupation et les tickets. Bah pour continuer un petit peu dans tout ce que tu as dit dans ton presse-papier, effectivement, hein, ce couple dont tu parlais, c'est le couple Kersfeld qui a quand même passé toute sa vie à faire la traque aux nazis et qui aujourd'hui se dit prêt à voter RN et qui a rencontré Marine Le Pen en février et qui qualifie aujourd'hui son parti de pro-juif. Alors là, en plus, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui nous dépasse complètement. Et en fait, on ne peut même pas, eux, il a 88 ans, Serge Kersfeld, on ne peut pas les accuser de ne pas connaître l'histoire. Ce n'est pas comme des gens, des cervelés qui sont shootés à TF1, CNews, BFM, qui là se laissent complètement embarquer dans des infos trafiquées. Là, on est quand même dans des gens qui ont vécu cette histoire, qui ont passé une vie là-dessus et qui aujourd'hui vont adouber un parti qui, en fait, a été ce qu'ils ont traqué toute leur vie. Moi, là, je suis complètement ramassé. Mais effectivement, en février, dans l'appartement du 8e arrondissement, pas loin de l'Élysée, Marine Le Pen vient rendre visite à Arnaud Kersfeld. Et là, ça c'est le fils, mais en fait, c'est pour voir le père. Mmh. Donc on est quand même depuis février, donc c'est pas non plus quelque chose qui est arrivé là aujourd'hui, quoi. Et pour continuer à parler du RN, de ce parti crapuleux, on peut quand même dire que là vient d'être rendue la condamnation en justice des affaires des kits de campagne, c'est-à-dire que le RN est définitivement condamné. C'est quand même en appel. En appel, oui, c'est-à-dire qu'ils avaient fait appel. Ils ont vendu des kits de campagne pour les législatives et les anciennes législatives qu'ils avaient surévaluées, justement. Et comme leur parti a obtenu plus de 5% des voix, il y avait un remboursement via nos impôts. Et donc aujourd'hui, c'était mis en évidence qu'en fait, il y a manipulation. C'est le micro-parti de Marine Le Pen qui s'appelle Jeanne, qui avait servi d'intermédiaire. Donc ils sont condamnés à 250 000 euros d'amende. Bon. 250 000. Pour eux, c'est peut-être pas grand-chose, mais en fait, le fait qu'ils soient condamnés montre quand même le côté crapuleux de ce parti. De même que là. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, effectivement, parce que là, ils avaient aussi un problème avec les. C'était au niveau des assistants parlementaires européens qui étaient rémunérés. Enfin, il y avait aussi tout un trafic. Alors qu'ils n'étaient pas là, ils sont en fait des permanents du parti. Voilà. Voilà, donc, c'est comme ça que le parti les rémunérait en disant que c'était les assistants et c'était l'Europe qui payait. Voilà, donc on est quand même dans un parti de magouille. Et là, Marion Maréchal Le Pen, alors là, on est vraiment dans les influences qui viennent quitter le parti Reconquête pour aller retrouver Marine Le Pen et en vidant la caisse de Reconquête. Donc elle laisse Zemmour sur place. Elle a pris l'argent et elle a inondé ses amis de trucs. Non, mais il y a une note d'hôtel de près de 20 000 euros, etc. Enfin, du truc. Parce que quand ils se déplacent, ils ne vont pas coucher à Ibis. Mmh. Non, donc voilà, si les gens avec ça ne comprennent pas à qui ils ont affaire, c'est quand même triste que des gens. Effectivement, parce qu'on sait très bien que sur ces votes RN, les trois quarts ne sont pas des fascistes. Hein, c'est des gens qui sont un peu perdus et qui s'imaginent qu'on va les écouter, leur apporter un mieux vivre. Et quand on voit ça, non, c'est des gens qui pensent à leurs pommes, qui sont maqués avec la grosse finance. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la dissolution a quand même un petit peu embêté la finance parce que c'est toute cette. Tous ces
puissants qui s'appuyaient quand même sur Macron pour avoir des intérêts financiers et compagnie, en fait, se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Donc, ils ne vont pas se rapprocher du nouveau Front Populaire. Donc, ils vont se rapprocher du RN. Donc, on est quand même... c'est quand même ces histoires de gros sous en permanence. Et le RN est à fond là-dedans. Quoi. Mais je pense qu'on devrait organiser des tours, je ne sais pas comment on appelle ça, là, avec des cars, pour... vers Montretout. Pour montrer à ces gens-là, on leur les embarquait en car, leur montrer où vivent ces gens qui sont vraiment des parrains, des ouvriers, etc. Voilà. Pas oublier non plus que Papa Le Pen a empoché un héritage fastueux d'un cimentier français. Voilà, ça a donné lieu à des procès, des trucs. Enfin, il a eu l'héritage quand même, c'est plusieurs millions de millions. Voilà, et donc cette nana là qui se prétend au gouvernement de la France, faut pas oublier que c'est une petite nana quand elle était jeune fille, qu'elle est dans les boîtes de nuit, etc., qui a jamais écossé dans aucun boulot. C'est ces gens là qui prétendent connaître la vie, qui prétendent connaître la misère ouvrière, qui prétendent connaître toutes ces choses là voilà, on en est là. Et comme le dit ma camarade, des crapules notoires. Voilà. Donc, avec ce rapprochement de la finance, le seul qui se démarque un peu, c'est le banquier d'affaires Mathieu Pigas qui appelle à voter de nouveau Front Populaire. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Quoi. Mais comme quoi, millionnaire n'est pas forcément associé à con. Voilà. Et c'est pareil. Alors dans les nouvelles, il y a toujours le c'est Gérard Filoche. Alors Gérard Filoche, on n'en avait pas entendu parler depuis un moment. Il faut rappeler que Gérard Filoche a été inspecteur du travail toute sa vie, il a vraiment dépensé toute son énergie à défendre les travailleurs quand même. Et il avait été accusé d'antisémitisme il y a déjà quelques années, en 2018. Et là, c'est comme là, il soutient le nouveau Front Populaire, paf, c'est une accusation qui revient sur le devant de la scène, dont les médias s'emparent. Voilà, tout ça parce qu'effectivement, il était dans le rassemblement réalisé pour constituer ce nouveau Front Populaire contre l'extrême droite et la politique du gouvernement. Et on ressort cette histoire alors qu'il a été complètement blanchi par la justice et que lui n'a jamais, de toute façon, même à l'époque, c'était évident qu'il n'aurait aucune condamnation pour antisémitisme. Quoi. C'est ce qui s'appelle racler les fonds de tiroir de l'histoire. En plus, il défend quand même la lutte du peuple palestinien, donc ça n'arrange, ça n'arrange rien. Mais nous, on est solidaires de Gérard Filoche, on l'avait beaucoup suivi à l'époque, donc là, il était nettement moins présent sur le devant de la scène politique. Il était au PS, enfin voilà, c'était pas forcément le parti qu'on... Non mais il était très critique quand il était au PS. Complètement. D'ailleurs, il avait été désavoué par le PS aussi à un moment donné. Quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors sinon, quand on parle, il ne faut aussi pas oublier bien sûr la Palestine, qui subit toujours quand même de plein fouet l'armée israélienne. Et d'ailleurs, il y a une enquête de l'ONU, une enquête officielle des Nations Unies, là, qui est sortie il y a trois jours, qui parle donc sur les violations du droit international par Israël en Palestine, qui a présenté ses conclusions mercredi, qui a accusé donc les dirigeants israéliens de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, y compris l'extermination des Palestiniens dans le génocide à Gaza, et qui parle que l'armée israélienne est une des armées les plus criminelles du monde. Donc ça, c'est pas quelqu'un qui d'un coup sort sa pancarte et dit ça, non, c'est une enquête officielle. Mais t'es vraiment une antisémite notoire, hein. Non, mais c'est... Voilà, donc c'est bien qu'il y ait quand même ça qui sorte un petit peu dans les médias. Non, parce que les médias, on sait à qui ils appartiennent et on sait ce qu'ils racontent. Hein. Là, ils passent leur temps à essayer de faire passer tous les nouveaux Front Populaire pour des antisémites, donc... Bon. Mais écoutez, nous en sommes des vrais, nous. Moi, avec mes origines juives, en plus. Oui, en plus. Et justement, oui. On est adhérents de l'Union juive française pour la paix. Ce sont des gens qui... faisaient partie de résistance, soit du groupe Manoukian, soit d'autres, et qui ont passé aussi... Ou de parents et de familles exterminés. Complètement. Et qui aujourd'hui se battent pour le droit du peuple palestinien à avoir sa liberté et son autonomie. Et là, le directeur de publication du site de l'UJFP, Daniel Levin,
a été convoqué pour apologie du terrorisme. Et là, on passe un cran. C'est la liberté de la presse. Voilà, donc il a été convoqué une première fois le 7 juin sous menace de garde à vue s'il refusait de s'y présenter. Et il a été reconvoqué précipitamment du jour au lendemain, il y a quelques jours. Et vendredi 21 juin, il y a eu une audition. Et c'est quand même la première fois qu'une association juive qui combat le racisme sous toutes ses formes et qui œuvre pour une paix juste et pour l'égalité des droits en Israël-Palestine est visée. Le droit international, comme il le répète, c'est la boussole de l'UJFP, que les actes soient commis par des Palestiniens ou par des Israéliens. Et Daniel, justement, a insisté sur ce point fondamental au cours de son audition. Donc, oui, et alors que, comment dirais-je, le CRIF, qui représente une... D'après ce qu'on sait, qui représente environ 10% de la communauté juive française, c'est-à-dire 60 000 personnes, parce que la communauté juive française est dans les eaux de 600 000 personnes. Voilà, il est sur les antennes là, ces jours-ci, que j'ai malheureusement dû fréquenter pour m'informer un peu sérieusement. Eh ben, il apparaît partout maintenant, tout est interviewé à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas. Voilà. Mais les associations juives, et il y en a pas mal en France qui sont contre la guerre en Palestine, etc., contre l'occupation et tout, dont l'UJFP, mais il y a aussi la FPS, il y a aussi cette association anticoloniale CHEDEC, voilà, il y a plein d'associations juives anticoloniales, anti-occupation, etc., on n'entend pas parler, sauf pour les convoquer pour des auditions, des choses comme ça, par la police. Alors, il y a quand même des militants qui n'hésitent pas à aller au front, et je crois que c'est en Grande-Bretagne, justement, il y a des militants qui ont réussi à s'introduire dans une usine d'armement israélien et à prendre des pièces un peu clés pour justement la fabrication d'armes. Donc, soi-disant sur un site impénétrable, ils ont réussi à s'y introduire. Bon, il y en a 7 qui ont été arrêtés par la police, mais ça veut dire que c'est quand même une victoire parce que il y a quand même. Bon, ça va retarder cette livraison d'armes. On n'est pas non plus. On sait très bien que. Attends, j'ai pas compris. C'est une usine israélienne ? Non, c'est une usine qui envoie des armes en Israël. Ah, ouais, une usine en Grande-Bretagne. Et donc, il y a des militants qui ont réussi à s'y introduire et à prendre des pièces capitales justement pour la fabrication d'armes. Donc, c'est quand même une victoire parce que bravo les gars. Voilà, c'est très très bien, c'est courageux. Ça, il y a aussi devant une autre usine d'armement, je crois que c'est en France, il y a une journaliste de Blast qui avait suivi aussi l'action des militants et qui a été interpellée par la police et qui a fait 32 heures de garde à vue. Liberté d'expression. Et j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure que depuis que la finance se trouve coincée entre le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, eh ben en fait, Jordan Bardella, qui faisait de belles annonces sur les retraites et compagnie, commence à rétropédaler dans ce qu'il pourrait proposer. Quoi. Et il rétropédale plus vite qu'il a avancé en vélo. Et je propose un nouveau nom de baptême pour Bardella, Bordella. On enlève le O, on met O à la place. C'est Monsieur Bordella, candidat du FN ou du RN, si vous voulez, à Matignon. Voilà. Et pour terminer, ça va être la fête. Voilà, pour terminer, on avait souvent parlé de Guillaume Meurice. Mmh. Donc, Charline Vanhoenacker a terminé son émission, a fait ses adieux sur France Inter. C'était la dernière émission, je ne sais pas si c'est ce dimanche-là ou celui d'avant. De toute façon, il y avait un chroniqueur qui partait par semaine en soutien quand même à Guillaume Meurice. Donc, ce grand dimanche soir et cette émission humoristique, en fait, c'est terminé sur France Inter. Moi, je ne sais pas si on doit qualifier ces émissions d'humoristique. Ça fait un peu léger. Or, ce qui se disait dans ces émissions, le ton de ces émissions, pour moi, c'était pas du tout humoristique. C'était plutôt quelque chose d'intelligent, de perspicace, de grave. On parlait de sous une forme légère de choses très très graves, tragiques même. Voilà. Donc humoristique peut-être, mais surtout grave et nécessaire si vous voulez à la compréhension de toutes les saloperies qu'on subit. Voilà, parce qu'effectivement, l'avenir de France Inter comme, est quand même un peu mis en danger. Bon, moi, j'écoutais plus France Inter depuis qu'ils ont viré Mermé. À part justement les chroniques de Guillaume Meurice et de Charline, j'écoutais des morceaux. Mais à terme, France Inter sera probablement privatisé. Et ce sera encore les Bolloré et compagnie. C'est ce qu'ils veulent faire. Ça sera encore les groupes Bolloré et compagnie, tous ces milliardaires qui détiennent l'information. Blonde en
santé dans la ville. Sifflez les fabriques et les trains, allons au-devant de la ville. Allons au-devant du matin. Debout, allons, chantons au vent. Allons nous unir à ce cœur, marchons vers la gloire et le monde, marchons au-devant du bonheur. C'était Au-devant de la vie, une chanson du Front populaire, des auberges de jeunesse et d'une certaine forme de liberté qu'on espère quand même conquérir un petit peu. Ou reconquérir. Reconquérir.